Bah, si j'arrive à réparer, mon intention c'est de repartir évidemment. Voilà, maintenant il faut le délai de check. Après, il faudra le délai de réparation. Et voilà, et on espère que ça va tenir dans les, que ça va tenir dans les clous, quoi. Maintenant, à un moment, faut essayer d'avancer. Ce qui est dur, en fait, c'est la décision de faire demi-tour, quoi. Parce que, bah, tu sais que... C'est que tu lâches, enfin, t'es forcé de renoncer sur ce sur quoi tu t'es concentré pendant 4 ans de préparation. Donc, Non, c'est sûr que de voir là tout le monde à l'arrivée, ça remet une grosse dose d'émotion. Donc c'est pas facile à gérer parce que t'aimerais être partout sauf là, quoi. Et c'est heureux qu'il y ait des gens, mais voilà, c'est un peu triste quand même, quoi. Donc voilà, ça donne de l'énergie, mais c'est pas évident à gérer. Ouais. C'est le problème de notre sport et du sport mécanique. Le marin tout seul avec ses 10 doigts, il fait pas grand chose. Donc là, bah, on attend le check complet du bateau. Moi, je suis convaincu qu'on va réussir à réparer. Maintenant, le diable se cache souvent dans le détail et il va falloir expertiser. J'ai vu que les experts sont là, le chantier est là, les archis sont là. Donc voilà, on va vite savoir de quoi il en ressort et puis dans 24 heures, on prendra la décision technique. Aujourd'hui, c'est samedi, donc ils vont pas nous la faire. C'est grasse mat et petit déj à l'anglaise avec des œufs brouillés, du bacon. Je suis en train de préparer ça là. This. My helmet. Let's see how it Yeah baby. Les petits œufs brouillés du matin, y a rien de tel. Ah ben voilà, un peu de soleil sur le groupe up ici, là, ça fait du bien à pouvoir sécher déjà tout le monde, le corps, le bateau. Et j'ai même sorti le panneau solaire pour faire la petite charge, voir si ça fonctionne bien. Voilà, bon week-end à tous. Oh God, I'm shaking so much. If I wasn't shaking so much, I'd appreciate it a lot more. First week at sea, good morning. I wish you all a good weekend. Ça y est, nous à bord de Maître Coq, on a déconfiné le SPI. Wouh! Enfin! On va sécher dans les alizés. Voilà, c'est parti, en direct de l'Occitane. En Provence pour une ascension tout là-haut. Salut les amis, moi j'ai empanné. J'ai empanné parce que je trouve que c'est trop chaud d'aller dans le cœur de la dépression là. C'est quand même une dépression tropicale quoi. Donc à un moment on va tout péter si on va là-bas. Allez, je vous emmène au cœur de la dépression tropicale qui passe sur la flotte du Vendée Globe. Bah, il fait aller vers l'ouest, c'est beaucoup plus safe. C'est beaucoup moins bon pour la course, mais bon, après, il y en a plein qui le font, alors je pense pas que ce soit un peu crash, je sais pas. Voilà, on y est. C'est tout là-haut que ça se passe. Bon, la mer s'est rangée. Les conditions sont pas si mal. So warm, I'm only wearing boxer shorts. Bon ben voilà,
par les temps qui courent. C'est important de prendre un peu de hauteur sur les choses, sur la vie, sur le paysage. Regardez comme c'est beau.